Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti, vous êtes sur la chaîne Les Jeux du Cygne, et on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Paper Trail. Donc on suit Paige, qui s'enfuit de chez elle. On a traversé une caverne, on a traversé le marais. Allons voir ce qui nous attend maintenant. Donc, on arrive. On a l'air d'être dans un village. Hé, hey, tu effraies les oiseaux! J'ai attendu des heures sous la pluie, simplement pour apercevoir cette buse à ventre bleu. Reste de ce côté, sinon tu vas les faire fuir. Alors pour rester de ce côté, il faudrait pouvoir y aller de ce côté. J'imagine qu'on va pouvoir... Ok, c'est bien ce que je pensais. Ici, c'est cassé, donc c'est cassé. On va avoir les petites échelles. En mode sympa. Donc là, je peux pas. Ah, là, je peux. Qu'est-ce que je viens de dire? Reste de ce côté! Je sais même pas comment tu es arrivé ici. Si tu n'effrayais pas les buses, je serais impressionné. Oui, ben, je reste du côté que je veux, moi faut que je progresse. Non mais... On a un petit origami ici. On a un 4, un 4, un autre 4. On va pouvoir faire des choses comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal, mais elle veut pas y aller. Ah, si. Ah, si, c'est parce que j'avais point vu. Je suis pas tout à fait bien foutu. C'est-à-dire que du coup, il n'y a rien en face. Voilà. Et on descend. On va se mettre ici. Et on va essayer de voir. Du coup, notre 4 est là. Il est un tout petit peu trop haut. Je pense qu'on pourrait remonter celui-là. Je vais là. Ah, je peux pas le remonter de deux. Je peux le remonter que d'un. Est-ce que je peux plier cette chose de manière intelligente? Il n'y a pas d'autres quatre. Hein. Enfin, il y en a un là, c'est celui qu'on connaît. Voilà. On a gagné un perroquet. Coco veut un gaveau de cadeau à l'avoine sans gluten. Coco le perroquet. Et du coup, pour finir de monter, puisqu'on veut aller par là, pas ça. Ça, c'est pas mal. Wow. Alors, on a ces choses-là qui peuvent tourner. Peuvent-elles tourner quand je suis dessus? Oui. Ça me paraît trop simple. Je vois pas d'origami. Effectivement, c'est un tout petit peu trop simple. Ok, donc je l'amène là et je l'amène ici.
C'est trop simple quand c'est tout seul, mais quand on rajoute tout le reste, genre les origamis, genre les petites boules, ça commence à devenir compliqué. Voilà, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Ah oui, je peux pas. Je peux pas à cause de ça, c'est ça que vous me dites. Mais quelle est cette arnaque? Voilà, je peux là. Il faut que je la mette où, ma pierre? Qu'est-ce que j'en fais de ma pierre? Je peux pas aller là. Ma pierre. Je la jette à la poubelle, simplement? Ça se trouve, oui. Oui, non, je peux rien en faire là. On est bien d'accord. Bien d'accord, on est bien d'accord. Je peux pas aller là comme ça. Est-ce que ici, ça peut m'arranger? Ça peut peut-être m'arranger. Si je vais là, et qu'ensuite... On tourne ce machin là. Oui, je peux pas aller plus loin là. Logique. Logique, logique. Ah oui, et je peux toujours pas. Ah, est-ce qu'il faudrait pas faire tomber la pierre dedans? J'aime assez l'idée. Voyons comment c'est réalisable. On va retourner là-dessus. On va retourner là-dessus. Faudrait que je monte. Et là, je peux pas vraiment monter. Voilà, là je peux monter. Je peux aller chercher mon origami. On trouve une grue. Et je peux monter. Alors j'aurais bien vu un truc du genre faire tomber le brasier. Non, je vais faire ça comme ça, dans l'autre sens. Je vais le mettre là comme ça. Pouvoir revenir éventuellement. Hop. J'ai pas du tout essayé en fait. Ça se trouve je pouvais. Non, je peux pas le faire tomber. Et je vois pas du coup comment faire tomber la pierre dedans. Mais je vois bien un petit succès caché de ce genre-là. Tant pis, on va pas se poser de questions. Ok, donc là il y a un creux au milieu, génial. Si je la bouge là, je peux quand même faire bouger ma pierre. Ok.
veut dire que par exemple, je peux m'amener moi ici. Venir chercher ma pierre. Et la reculer là. Et ensuite, il faut que j'aille de l'autre côté. Ah, je peux peut-être du coup comme ça. Voilà. Wow! Alors, deux plateformes qui tournent, une clé. On va se marrer. Donc, on va chercher la clé. Je peux ouvrir là. Mais ma pierre, comment je la grimpe, ma pierre? Comment je la grimpe? Comme ça. Mais pas tout à fait. Parce que là, du coup. Ah, si, j'aurais dû. Ok. Du coup, faut que j'aille ici. Et je peux pas retirer ma pierre, en fait. Je suis coincée là. Je peux la pousser là. Moi, je peux redescendre ici et remonter là. Et ensuite, tirer ma pierre. Wow! Alors, par contre, je me pose vraiment la question. Genre, est-ce que je peux pousser les bras zéro? Non, les bras zéro ont vraiment aucun intérêt. Ça me semblait bien un petit truc. Un petit truc comme on a eu avec les petites statues à faire tomber, mais non. Oh non, pas toi! Je pensais t'avoir semé! Cet endroit est abandonné depuis des années! Les propriétaires ont disparu après ouvrir une mystérieuse porte! Eh ben, ouvrons les mystérieuses portes. Ou plutôt, sauvons-nous. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, mais à mon avis, voilà. On va avoir. Alors là, je peux pas bouger Page. Ici, j'ai vraiment rien.
Ouais, c'est ça, un symbole à reconstituer. Alors, je suis pas tout à fait bien comme il faut. Voilà. Voilà. Ok, donc on découvre des portes qui vont d'un endroit à l'autre. Ça alors, ces portes sont restées verrouillées pendant des Oui, années. À quoi cela ressemble-t-il à l'intérieur? Je n'ose pas y aller moi-même. Il me manque quoi là pour y aller? Je peux descendre, tout simplement, je peux descendre. Ici, on a un petit... Un petit origami qu'on pourra choper comme ça à partir de cette porte-là. Donc... On pourra aller à cette porte-là. Si on les connecte. J'ai dit, j'ai dit. Je vais monter là peut-être. Ah, ça m'arrange pas. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Est-ce qu'il faut que je sois là du coup? On va reprendre là. Est-ce que on a un autre symbole? Non, mais remonte, 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 cocotte. J'ai pas l'impression. Donc, si je veux ouvrir ces portes qui sont là, qu'on voit pas. Voilà. Ce qui m'arrange qu'à moitié du coup. Parce qu'il faut que je trouve comment y aller. Hein. Mais c'est l'idée. D'ici, je peux aller là. Hop. Ici. Je replie. Je connecte ces deux maisons l'une entre ensemble. Ce qui ne change rien au final. Et on a dit. On a dit comme ça. On a dit comme ça, sauf que du coup, je suis pas dans la maison. Du coup, ça m'arrangeait en fait. Donc, je reconnecte ça. Je vais ici. Hop. Sauf que du coup, ici, je suis plus connecté. Donc, le timing est important. Voilà, le timing du pliage est plié. On a fait un écureuil. Du coup, l'objectif est de monter quand même hein, dans l'histoire. Ou en tout cas, de progresser. On a un caillou. Eh ben, débarrassons-nous de ce caillou. Est-ce que je pourrais le pousser? Non. Non. Puis bien évidemment, ça aurait été idéal que je puisse aller là, sauf que je peux pas aller là.
Ok. Je vais descendre là. Si je descends là, je peux aller ici. Pour ensuite avoir ça comme ça. Non! Non, non, faut que je connecte les maisons. Faut que je connecte ces deux maisons-là. Donc, je la descends encore un petit peu plus. Et voilà. Je peux pas le virer. Ah, j'aurais peut-être dû le pousser du coup. Mais ça revient exactement au même endroit alors. Oui, sauf que je peux le pousser par là. Voilà. Alors. La maison qui est là va avec la maison qui est là, ok. Moi, je peux bouger d'ici à là. Il faut que je mette mon caillou ici. Et là, c'est cassé. Et j'en enterrerai. Et j'en enterrerai. Non, faudrait que j'arrive par l'autre côté. Pour arriver par l'autre côté. Bah non, il n'y a pas vraiment d'autre côté en fait. Si, voilà, si, 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 si. Hop. Je redescends. Je monte là-dessus. Je vais là. Je plie. Ça active les maisons. Je traverse. Je mets ça ici. Je retraverse. Je remonte là-dessus. Je déplie. J'envoie la pierre par ici. Et je la tire. Wow! Alors, on a un petit origami au milieu. Et après, on a tout un tas de maisons. Ah, c'est pas ce symbole-là. Oui, c'est ce symbole qui est là. Ok. Je traverse. Ok, j'ai traversé. Et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai traversé? Parce que ça, c'est bien trop loin. Qu'est-ce que je fais? Y a rien d'intéressant avec le fait d'avoir traversé. Ah, bah non, je peux pas retourner à celle-là. Mais... Mmh.
C'est un piège, c'est ça. T'essayes de me piéger, petite maison. Pourtant, il n'y a pas 36 solutions. Parce que quand je plie les choses, ça active pas grand-chose. Je pourrais avoir ces deux-là si je pliais ça différemment. Pour pouvoir plier ça différemment, il faut être là. Sauf que je suis toujours coincé ici, moi. Et que je vois pas comment m'en sortir. Ok, donc je peux aller là. Ça tourne. Ça tourne. Ah si! Parce que quand ça tourne, je peux être là. Parfait. Et du coup, je peux être là. Qui est pas du tout la maison que je voulais. Ce symbole-là, il est là. Oui, c'est celui d'où je viens. Non, c'est pas celui d'où je viens, justement. Voilà, c'est ça. Donc on va aller là. Sauf que je peux pas vraiment. Voilà, donc on va là. Je décale ma pierre que j'avais pas bien décalée, puisque je ne pouvais point la décaler. Ensuite, on fait ça, on tourne notre pierre. On va là. Et on la décale. Ici. Parfait! Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là pour cet épisode. On fera la suite du village la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!